Eh bien, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 18. Voilà, comme je vous ai dit, on s'est arrêté juste là, on reprend. Je ne suis pas arrêté, moi, de mon côté. Et je cherche les balistes. Et il y en a partout, ça s'arrête jamais. Ça commence à me saouler. Après, c'est le jeu, hein, c'est normal. Qui veut ça? Non, c'est qui veut ça? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ah bon? Prépare tes défenses. On va en avoir besoin. Je vais traverser ça. Je vais aller là pour retourner à la maison. Deux bêtes partout là. Faites attention, ça fait des heures qu'il tourne. Allez, on zigouille de moineau. J'aime bien utiliser les portails. Alors que j'ai un portail juste là à côté. Le relais. Tout le reste, je peux vendre. Une caravane a réussi à passer. J'ai eu un ravitaillement. Ça vous intéresse? Voilà, on y retourne. Allez, on va faire la petite caverne. Ah, je t'ai vu arriver toi. Dans les hauteurs de la caverne. Bon bah si c'est une caverne juste en longueur comme ça, ça me va. Alors, allez, je sais pas. Offensive sacrée. Que la lumière brûle ta chair.
25% de plus d'attaque. Ça vaut rien. Une espèce de vaut rien. Nos adversaires sont certes forts, mais je ne faiblirai pas. C'est toi que je veux. Merde, j'ai une charogne. Y a-t-il une famille qui vous attend, là d'où vous venez? J'ai abandonné mon nom et ma famille il y a bien longtemps. La croisade représente tout pour moi. Je sais ce que c'est, mon ami. Bah, on va l'utiliser, hein. Je suis désolé, mais... c'est pas grave, les 100 points de vie de récup, on les retrouvera quelque part d'autre. Est-ce qu'il peut la prendre, lui? Allez, prends-la. Voilà qui m'aidera. J'espère bien. Mais bon, ça fait plus de dégâts. La récupération, c'était vraiment pour du bonus, quoi. Ouais, j'ai tué les autres avant parce que... Allez, donne-moi tout. Fais pas chier. Ah bah d'accord. Encore un petit coffre. Et bah y en a là-dedans. Petit crapaud. Dernier là, tu voulais. Je sais pas ce que tu voulais toi. Je ne peux pas utiliser cela. Pourquoi? Pourquoi je peux pas? J'espère de la récup. Mais bon. Non, celle-là m'intéresse pas. Là non plus. Ouais, on sort de ce donjon. Au final, j'ai beaucoup moins de récup qu'avant. Hein. Où est-ce que je peux voir ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais.
Bon. On passe par là. C'est en fait, voilà. Récupération. La quantité de robustesse que vous récupérez par ce... Voilà, par exemple, j'ai enlevé celle-là. Elle me régénère 100 points. C'est la régénération, quoi. Vie par seconde. Vie par coup. Ouais. Ok, et tu vois, si je remets ça. Est-ce que ça me change quelque chose? Ah, c'est ma vie par seconde, combien je gagne. Ok, mais j'ai plus de points de vie, donc bon, bref. Allez, on continue notre petit chemin. Le petit chemin. Ah, vous ne pouvez pas rester oisif pendant que vous affrontiez à ce oisif. Il y a déjà bien trop longtemps que j'ai ressenti le frisson de la bataille. Détruire mes armes de siège ne vous sauvera pas. C'est que ce que tu dis depuis le début. À chaque heure qui passe, mes légions se déversent de la bouche de l'enfer. Bientôt, ouais. D'accord. Elles réduiront votre misérable donjon en merde. Poussière. Pardon. Voilà de bien grands mots, Asmodan. Mais les mots sont la dernière arme qui te reste. En avant, mon ami. Il est temps de repousser l'armée d'Asmodan jusque dans ce maudit cratère. J'espère que cette épée valait ce sacrifice. Allons-y. Allez, on y va. Trouver la porte démoniaque de lisière de l'abîme. À la lisière de l'abîme. Ok, une flèche, on va la suivre, c'est la petite flèche. Disparaît de ce monde. Ouh, le boulevard colossal. Ouais, c'est moche. Eh, le dominateur. Moi je vous domine les gars. Viens là, viens là. Viens là. Viens là, j'ai pas fini. Oh, je suis à 56 victimes. 58. Non, regarde, j'ai pas fini. Un peu de patience. Ma colère, ça me nuise. Ouais, je sais. Putain, brutal. La lumière se fait plus forte en vous. Ah bah là. Là, j'ai envoyé du pâté, mon gars. Bon, j'avais plus de colère. Mais... Ce n'est pas prêt. Enfer démoniaque. On arrive.
On va la trouver cette porte. Oh, j'ai fait des merdes, la musique elle s'est arrêtée. Chaussures en soie. Je ne vous avais jamais vu vous battre. C'est un spectacle miracle. Ouais, bla bla bla. Naturel, le jeu, l'ange de la justice, les patatis, et chat pour le fantôme. Bonne chance. C'est mal, bravo. Ce monstre, on va aller vendre tout ce que j'ai là. Je pense que c'est pas fini hein, cet acte. La victoire nous appartient. C'est ça, exact. Comment ça coûte ça? Je vais en vendre un petit peu. Ouais, j'ai tout vendu. Bon bah c'est pas grave. Un petit peu, j'ai tout vendu. Comme un connard. Allez, on va. Voilà, la porte est là. Eldruin va détruire les sceaux démoniaques qui protègent cette porte. Attendez, je suis où là? Pardon, il y a eu un petit bug. Désolé, c'est passé des choses. Et j'ai appuyé, j'ai mis mon PC en veille. Donc je suis désolé. Le briseur de siège est un monstre de légende, de cauchemar, dont on ne parle qu'à voix basse dans les recoins obscurs. C'est l'arme favorite des seigneurs démons, car sa taille monumentale peut faire pencher le cours de n'importe quelle bataille en leur faveur. J'aimerais bien en savoir plus sur ce mastodonte, mais hélas, tous ceux qui l'ont vu sont morts. Mais non, pas nous. Le portail démoniaque est détruit, et l'armée des enfers gronde, renforcée par les cœurs du péché. Je vais tous les anéantir, et seul le seigneur du péché restera en travers de mon chemin. Alors je le tuerai aussi. C'est un sacré héros, quand même. Il tue tous les monstres. Tu as tué un de mes jouets. Maintenant,
Je n'ai plus Dieu que pour toi. Descendre dans le cratère de trouver la tour des damnés. Bon, bah on y va. Et y a pas Tyrell qui voulait nous parler juste avant là? C'est moi ou non? Ou j'ai pas cliqué dessus? Ouais, c'est. Bon. Demoiselle de Luxure, j'ai besoin de tes généreux services. Extirpe-toi du tas de chair suante où tu te vautres au fond des enfers et amène tes filles avec toi. Fais bien attention, notre ennemi a prouvé qu'il était rusé et puissant. Mais les mortels ont toujours été une proie de choix pour toi, n'est-ce pas? D'accord. Bon. C'est la fille qui a dû parler juste avant. C'est un peu plus fort, là. Elle est meurt un peu. C'est du charme. Rien. C'est vrai. Rien ne l'arrête. Vous êtes trop faible. Il y a même des pièges, alors comme ça. Attention à pas se faire baiser, les amis. Esquive, ma gueule. Allez, on
descend. Nous taillerons ces butors en pièces. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait pas plaisir. Dominateur. Putain, un cul-de-sac là, j'aime pas ça les cul-de-sac là, ça me saoule. D'accord. 25 minutes. Da-di-da-di-da-da. Ouais, j'étais en train de me dire où est-ce que tu m'as emmené, petit enfoiré. T'es sérieux, mon gars? Faut que je retourne par là. Oh l'enfoiré. Bon bah allez, on se fait le petit chemin qui sent la noisette. Moi je suis pas sûr qu'il sente la noisette celui-là mais bon. On marche, si vous voulez, on marche comme ça. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Elle est moins belle cette armure. Elle était plus belle l'autre, mais bon. Elle était moins forte. Oh la di di di. Ils doivent en avoir des jambes. Hein. Ah, il est pas très beau. Lui. Par là, non. Donc c'est par en haut. Ah, si j'avais su, j'aurais été là-haut. Tout de suite là-haut. La lumière vous condamne. Ouais, ouais, ouais. De toute façon j'y suis là hein, donc maintenant on va faire avec hein.
Où est le cœur du péché? Dans le cœur des damnés. Il est arrivé les 29. On va s'arrêter là pour cet épisode là. On va retourner à la ville. On va faire nos petites emplettes. Et puis on va se laisser là. On va se laisser là. Voilà. Allez. Une caravane a réussi à passer. J'ai eu un ravitaillement. Ça vous intéresse? Ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement. Allez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve à la prochaine pour un prochain épisode. Allez, ciao, bonsoir.